Chapitre 3, événements aléatoires et concepts de probabilité. Première section, événements aléatoires. Petit 1, expérience aléatoire. La définition d'une expérience aléatoire. On dit qu'une expérience E est une expérience aléatoire si et seulement si on n'est pas certain du résultat obtenu. En d'autres termes, il y a plusieurs cas possible. Sacre le micro. Donc, une expérience aléatoire, c'est une expérience qui a plus qu'un seul résultat. Donc, on a plusieurs résultats possibles. Donc, lorsqu'on n'est pas sûr du résultat d'une expérience, cette expérience, on peut l'appeler comme étant une expérience aléatoire. Par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on n'est pas sûr du résultat. On peut avoir pile comme on peut avoir face. Dans ce cas-là, cette expérience est une expérience aléatoire. Lorsqu'on passe un examen, on n'est pas sûr de réussir. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit réussir, soit refaire l'examen au contrôle, soit ne pas réussir, disons, en fin de compte. Donc, dans ce cas-là, c'est une expérience aléatoire. Donc, l'exemple qu'on a cité ici, lorsqu'on jette un dé, on n'est pas sûr du résultat, on a plusieurs résultats. L'ensemble des résultats, c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou enfin 6. On a six résultats possibles. Donc cette expérience, ça s'appelle une expérience aléatoire. Les résultats d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire dans notre exemple 1, 2, 3, 4, 5 ou enfin 6, ça s'appelle des éventualités. Donc 1, c'est une éventualité, donc c'est une possibilité. Donc les différentes possibilités de résultats, ça s'appelle des éventualités. Donc la deuxième définition, c'est l'ensemble fondamental. On l'appelle aussi univers des possibles ou espace fondamental. On le note oméga. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles associés. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles associés à une expérience. Si on revient à notre expérience, le fait de jeter un dé, l'ensemble de ces résultats, ça s'appelle en l'ensemble fondamental. Oméga. L'ensemble fondamental oméga peut prendre plusieurs formes. Peut prendre plusieurs formes. Il peut être fini et connu, comme notre cas ici de lancement d'un dé. Anne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ces différents résultats sont finis et connus. On les connaît une à une. Comme le cas du G d'une pièce de monnaie. L'ensemble des résultats est connu, pile ou face. Donc, c'est le premier cas d'un ensemble fondamental, la première possibilité, donc, où il est fini. La deuxième possibilité, oméga, l'ensemble fondamental peut être infini, mais dénombrable. Qu'est-ce que ça veut dire infini? Infini, donc, on ne peut pas compter le nombre de possibilités suite aux résultats, mais on les connaît. Dénombrable, c'est-à-dire on les connaît. Donc, si on peut prendre un exemple similaire, c'est par exemple l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels, c'est un ensemble infini, mais il est dénombrable. Qu'est-ce que ça veut dire dénombrable? On connaît les valeurs de l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, il est infini, mais dénombrable, c'est-à-dire on connaît les différentes possibilités. Comme le cas de l'exemple qu'on a pris ici. Cet exemple, c'est le G d'une pièce de monnaie où on s'arrête lorsqu'on obtient pile au premier G. C'est-à-dire,
On lance la pièce de monnaie, on s'arrête lorsqu'on obtient pile. Si on obtient pile pour dans le premier jet, on s'arrête. Si on l'obtient dans le deuxième jet, on s'arrête au deuxième jet. Si on l'obtient dans le troisième jet, on s'arrête au troisième jet. Si on l'obtient dans le quatrième jet, on s'arrête au quatrième jet. Et ainsi de suite. Donc, les résultats sont connus, comme vous voyez. Mais ils sont infinis. On peut jeter, si la pièce de monnaie est truquée, on peut l'ajouter 1 000 fois pour avoir pile pour la première fois. Donc, c'est le deuxième cas, infini et dénombrable. Le dernier cas, pour oméga, peut être infini, non dénombrable. Donc, on ne peut pas connaître les résultats et on ne peut pas les compter. C'est une infinité de résultats et on ne peut pas les dissocier l'une à une, qui m'a ce cas précédent. Donc, si on prend l'expérience qui consiste à lancer une flèche sur le plan d'un tableau. Ou on peut la remplacer tout simplement par le point de contact entre le stylo et le tableau. Donc, dans un tableau blanc, combien on peut faire de points de contact entre le stylo avoir lorsqu'on lance le stylo, ou alors on lance une flèche sur le tableau. Le point de contact entre la flèche et le tableau, c'est le résultat. Combien on a de résultats? On a tout le tableau, tout le plan du tableau, tout le plan du tableau, l'ensemble du plan du tableau peut être des résultats. Donc, dans ce cas-là, on a une infinité de résultats et on ne peut pas dissocier. Vous pouvez imaginer, moi-même, si vous prenez une feuille et vous faites des points sur la feuille. Donc, vous aurez une infinité de points, même dans un espace assez limité. Donc, vous pouvez avoir une infinité de points et que vous ne pouvez pas dissocier. Donc, dans ce cas-là, oméga peut être infini et non dénombrable. Est-ce que c'est clair? Donc on a trois possibilités pour l'ensemble fondamental. Donc, Monsieur, شنو l'ensemble fondamental? l'ensemble fondamental, c'est l'ensemble de résultats d'une expérience. À l'exemple, on jette une pièce de monnaie. Chnouma les résultats. Pile voilà, passe. On lance un dé, les résultats, l'ensemble des résultats, et d'ailleurs l'ensemble fondamental. L'ensemble fondamental, il peut être connu, Kimahaka. Il peut être connu, mais infini, Kimahaka, puisque tu lances la pièce de monnaie jusqu'à obtenir la première fois pile. Matarash, tu vas obtenir la première fois pile. Elle m'a dit, face, ou pile, voilà. Donc la forme, tu as le résultat. Mais tu as une infinité. C'est fini. La forme, donc, c'est infini et non dénombrable. Donc le plan, tu as le plan, il y a le résultat. Une infinité non dénombrable. Et donc, les trois, quant à oméga, donc oméga représente l'ensemble des résultats d'une expérience. C'est l'ensemble fondamental. Un événement aléatoire, t'as au même troisièmement. C'est quoi un événement aléatoire? On appelle événement aléatoire un sous-ensemble ou une partie de l'ensemble des résultats possibles. Un sous-ensemble ou une partie de l'ensemble des résultats possibles, dont on peut dire suite à la réalisation de l'expérience si elle est effectuée ou non. Donc, si on lit cette définition, ça semble un peu difficile. Mais si on prend l'exemple, vous allez voir que les événements, c'est assez simple de les définir. Par exemple, on revient à l'exemple du lancement d'un dé. L'oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est lié à l'ensemble fondamental. Donc, dans l'ensemble associé aux événements suivants. Maintenant, donc, ici, l'événement, c'est quoi? On s'intéresse à une partie du résultat, l'événement.
Par exemple, obtenir 1, c'est un événement. Donc W1 égale 1. C'est un événement. Obtenir un nombre pair. C'est un événement. 1 égale chnoa. Égale à 1. Égale l'ensemble 1. Obtenir 1. Ça va? Donc, l'événement est un sous-ensemble de oméga. Donc, on s'intéresse à une partie de oméga. Dans notre cas, on s'intéresse tout simplement au nombre pair. W2, c'est un événement. Et donc, le nombre pair, c'est 2, 4, 6. C'est un sous-ensemble de oméga. C'est la définition de l'événement. Obtenir un nombre pair. Donc, on a 1, 3 et 5. On va définir quelques événements connus. Donc, un événement élémentaire, c'est un sous-ensemble de oméga qui est composé d'un seul élément. Donc, il est réduit à un singleton. Donc, vous savez très bien, dans la définition d'un ensemble, le singleton, c'est un ensemble qui contient un seul élément, comme dans le cas de W1 ici. C'est un événement élémentaire, Netsamio. Il s'appelle événement élémentaire car il contient un seul élément. Un événement certain. Donc, un événement certain, d'après son nom, on est sûr du résultat. Quand on est sûr du résultat? Lorsqu'on a oméga, qui comporte toutes les possibilités. Donc, oméga, ça s'appelle événement certain. Événement impossible. Bien sûr, il ne se réalise pas. Donc, l'événement impossible, c'est l'ensemble vide. On n'a pas de possibilité. C'est clair? Donc, comme vous le savez, les événements, ce sont des ensembles. On a vu les opérations sur les ensembles lorsqu'on a étudié l'analyse dans la première semestre. Donc, on va les rappeler, c'est-à-dire l'union, l'intersection, l'inclusion. Donc, je sais bien que vous les connaissez, donc on va essayer de les rappeler. L'union, notée par U, donc A union B, expliquée par, en termes d'événements, c'est-à-dire soit A, soit B, soit les deux se réalisent simultanément. Elle se traduit par A ou B. Yani, lorsque vous avez A union B, on peut dire que A union B est réalisé si A se réalise. Ou B se réalise, ou les deux se réalisent au même temps. C'est clair? Donc, A union B. L'ensemble A union B, on conclut qu'il s'est réalisé. Il suffit que A se réalise seulement. Ou B se réalise seulement, ou l'intersection, c'est-à-dire les deux au même temps. Pour l'inter, donc, il y a un arjou, il y a un A union B, c'est A, A ou Hadha, ou elle B ou Hadha, ou elle Zouz Mabad. Et A union B. Bien sûr, A inter B, l'intersection. L'intersection, c'est A et B au même temps, ils se réalisent. C'est-à-dire le point commun entre les deux événements. Donc, pour dire que A inter B s'est réalisé, il faut que les deux événements A et B se réalisent simultanément. Donc, ça se traduit par A et B. Donc, A et B au même temps. Il suffit que, dans l'union, il suffit que A se réalise, ou B se réalise. On ne demande pas les deux en même temps. Mais s'ils se réalisent en même temps, toujours, on l'accepte, bien sûr. Puisqu'on va faire l'union des
des deux ensembles باش نجمعوهم زوز انسمبلوات دونك اش معناها يعني عندنا زوز انسمبلوات مع بعضهم يعني il suffit يعني ولو انسمبل كبير il suffit وحده من A ولا وحده من B ولا وحده من الانترسيكسيون موجوده نقولوا A union B موجوده مي lorsqu'on parle de A inter B donc il faut que les deux se réalisent en même temps بيه. Donc ها هي الانترسيكسيون دونك هذه A هذه B l'intersection et à nous les deux se réalisent en même temps. Donc le parti Heli, elle appartient à B et elle appartient aussi à A. Elle appartient aux deux. Donc pour le complémentaire, c'est en se basant sur son nom, c'est la partie qui complète l'ensemble A pour avoir oméga. Yani chaqad naqs l'A bach wasonna l'oméga. Donc, on a rejoint la définition. Complémentaire. L'événement complémentaire de A est l'événement A bar qui se traduit par la non-réalisation de A. Donc, il a A il s'est réalisé. On a les résultats. Et les gardes, A. Donc, et les naqs A. Donc, c'est la non-réalisation de A qui n'a rejoint la tasuir. C'est A. Elle s'est réalisée. Mathalan, hédit mathal les nombres impairs. Hédom les nombres impairs. Donc, chakad naqisna. Les nombres qui ne sont pas impairs. Donc, c'est le nombre pair. C'est la non-réalisation de A. Axel A katkat. Abar. Donc, allez avec l'A ou l'abar qui n'y j'm'en m'abad, on l'a tous les possibilités. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Non. Ben, on continue alors. L'inclusion. A inclut dans B. Donc A, c'est une partie de B, tout simplement. Donc si deux événements A et B, tels que A est inclus dans B, en termes d'événements, la réalisation de A entraîne la réalisation de B. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque A, c'est une partie de B. Si A se réalise, c'est-à-dire B, on a une partie de B qui s'est réalisée, il est mis à A, donc B, il s'est réalisé. On a l'événement, il suffit que partie menu, il se réalise. On conclut qu'il s'est réalisé. Qui m'a fait l'union? L'union, je connais. L'union, dit, je mets A ou B, voilà. Il suffit que A, voilà, partie, mais l'union, il y a A. Elle se réalise, donc le A, union B, il s'est réalisé. Z. Donc, qui m'a l'exemple? Tu as obtenu un nombre impair. C'est un nombre impair. C'est dans les résultats. Donc, obtenir 1, c'est un sous-ensemble. Donc, W1, c'est un sous-ensemble, mais W3. Donc, il suffit que W1 se réalise. Donc, on conclut que W3 elle s'est réalisée. Événement incompatible ou appelé ou encore événement distinct ou encore événement disjoint. On dit que deux événements A et B sont incompatibles si l'intersection égale l'ensemble vide. Donc l'exemple c'est très simple. Anne, l'ensemble W2 des nombres pairs, l'ensemble W3 des nombres impairs, ces deux événements sont incompatibles. L'intersection bénette omega l'ensemble vide. Voilà, W1 est d'avoir 1 et W2 avoir un nombre pair. Donc ces deux ensembles, l'intersection bénette omega l'ensemble vide. Donc ce sont deux ensembles disjoints, voilà distincts, voilà incompatibles. Donc c'est une définition en relation avec les ensembles. Donc on va voir maintenant, on va terminer cette section avec la remarque. La relation d'incompatibilité est une relation entre événements, c'est-à-dire c'est une relation entre ensembles, comme je viens de dire. Donc, maintenant on va définir qu'est-ce que ça veut dire un système complet d'événements. Un système complet d'événements. Si on prend un ensemble d'événements, A1, A2 jusqu'à AN, si les intersections une à une, les intersections haonoma égale dima l'ensemble vide. Yani huma dima incompatible.
عندهمش انترسيكسيون بين بعضهم لي زونسومبل الكل. لونيون تاعهم اذا نجمعوهم لي زونسومبل الكل تعطي اوميغا. وقتها ces événements constituent un système complet d'événements. اذا نشوفوها هكا تقول شنو هي هذه صوم وانترسيكسيون ودرا شنو. نجمو ناخذ ان اكزومبل تري سامبل. نرجعو لاكزومبل نتاعنا هنا. ان نومبر بير W2 2 4 6. Donc, obtenir un nombre impair, l'événement W3, 1, 3, 4. L'intersection bénéfique entre les deux événements est tati. L'ensemble vide. L'union terme qui n'est pas le même, c'est tati. Tati oméga. Donc, W2 ou W3 forment un système complet d'événements, tout simple. هذاش معناه سيستم كومبلي ديفينمون يعني ان دي ايفينمون لانترسيكسيون بين بعضهم تعطي لونسومبل فيت سوا زوز سوا ثلاثه سوا حتى 10 ديما البرانسيب نفسه لانترسيكسيون بيناتهم يلزمها لونسومبل فيت وكي تجمعهم تلقى اوميغا. كيل يا دي كيستيون شقتي شطبنا السيري مسيو. شوفوا شوفوا بربي سامحني قبل هذايا خليني دو سكوند. كونسيبت دو بروبابيليتي لا دوزيام سيكسيون اسباس بروبابيليزابل سوا لاسباس بروبابيليزابل اوميغا في او في لانسومبل دي ايفينمون كي ابارتيان ا اوميغا et W, un événement. On appelle probabilité sur oméga phi l'application P définie par une phi vers 0,1 W, on lui associe P de W. Donc, un injuste, j'ai lu, qu'est-ce que c'est l'application? Donc, je vais définir maintenant, une à une, les différentes parties de cette définition. Oméga, n'arfoua, il y a l'ensemble des résultats. Phi, c'est quoi? Phi, il y a l'ensemble des sous-ensembles, il n'y a pas de oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Oméga, qu'est-ce que je vais faire une marra? Haka, oméga, comment on peut la subdiviser? Qu'est-ce que je vais ensemble qui m'a aidé à faire une oméga? Donc, je vais faire 1, 2, 1, 3, je vais faire 36 groupes, voilà, là, 36 ensemble. Donc, en fin de compte, je vais faire un oméga, 36 événements, c'est l'exemple interne. Les événements, les W, on fait ensemble, ça mène phi. Donc, on fait ensemble, ça mène phi. Quel phi? Alors, من كل في نجم ناخذ ان ايفينمون اسمه دبليو اون لوي اسوسي اون فالور انتر 0 1 سيت فالور انتر 0 1 سابيل بروبابيليتي يعني كل ايفينمون اون فا لوي اسوسي اون فالور انتر 0 1 سيت فالور سابيل بروبابيليتي هذه ديفينيسيون تاع البروبابيليتي دونك ليفينمون le sous-ensemble de oméga l'événement on lui associe une valeur entre 0 1 cette valeur s'appelle probabilité. Associer à chaque événement W de l'ensemble des possibles oméga un réel appartenant à 0,1 qu'on appelle probabilité de W et ayant les propriétés suivantes. Ces propriétés s'appellent les axiomes de probabilité. On a P de oméga est égal à 1. Donc oméga c'est l'événement certain, on est sûr. Donc il va prendre la valeur maximale. Donc c'est 1. Probabilité de W1, union W2, c'est probabilité de W1 plus probabilité de W2. Dans quelles conditions? Lorsqu'on n'a pas d'intersection. Allez, l'intersection appartient à quoi? Appartient à A et appartient à B. Voilà, appartient à W1 ou W2. C'est la même chose. Donc lorsque l'intersection appartient aux deux ensembles en même temps, lorsque l'intersection appartient aux deux ensembles d'un temps. Donc, la partie de l'intersection, la partie de probabilité de cette intersection est comptée, elle existe dans la probabilité de A.
Cette partie aussi, elle existe dans la probabilité de B. Donc, elle existe dans la probabilité de deux ensembles. Si on écrit ici probabilité de l'union égale probabilité de W1 plus probabilité de W2, donc la probabilité de l'intersection, si elle existe, donc mon jeu d'affi W1, mon jeu d'affi W2. Donc maintenant, je mouche n'est-ce pas à zoz marat, voilà. Donc, à l'aideka, le cas est à waktesh an à l'égalité, waktesh l'union, la probabilité de l'union, toi les probabilités, toi les la somme de probabilités. Waktli l'intersection égale l'ensemble vide. Je vais l'expliquer par la suite. Avec le graphique mara ochra. Le dernier axiome, c'est que les probabilités sont toujours positives. On sait très bien que l'application est avec entre 0 et 1, donc automatiquement c'est positif. Donc, nous maintenant quelques définitions. Donc, la probabilité de oméga, c'est la probabilité de l'événement certain, donc est égale à 1. Probabilité de l'événement impossible, c'est probabilité d'ensemble vide, est égale à 0. La probabilité de l'événement complémentaire, c'est égal à 1 moins la probabilité de A bar est égal à 1 moins la probabilité de A. Maintenant, on peut la définir, la démontrer plutôt. Comment on la démontre? On sait très bien que A inter A bar, donc A bar c'est la non-réalisation de A. Donc A inter A bar égale l'ensemble vide. Ah, on a dit A ou A bar. Donc l'intersection, معناش حتى intersection qui fait les nombres pairs ou nombres impairs. Donc معناش l'intersection est l'ensemble vide. L'union تاعهم qui un nombre pair ou un nombre impair. L'union تاعهم تعطي oméga. Donc il représente A et A bar un système complet d'événements. Dans ce cas-là, la probabilité de A union A bar puisque A union A bar est oméga. Donc la probabilité de A union A bar est la probabilité de oméga est 1. Ou comme l'intersection binaire ben ba'adham égale l'ensemble vide. Qui maintenant égale l'ensemble vide. Donc la probabilité de A union A bar, la probabilité de l'union égale la somme des probabilités. La probabilité de A plus la probabilité de A bar égale à 1. Donc on peut retrouver facilement que la probabilité de A bar égale 1 moins la probabilité de A. Qu'il y a des questions. Donc, qu'est-ce que nous demandons comme nous demandons comme un taraf li hada taraf li oméga la probabilité نتاعها égale à 1, taraf l'ensemble vide la probabilité égale à 0 ou taraf la probabilité de complémentaire est égale à 1 moins la probabilité de A. Tout simplement. C'est clair? Oui, c'est clair. Ben donc, je vais essayer, chauffe, tout simplement.